Bonsoir. Dans 4 jours, toute l'Europe aura les yeux tournés vers la Pologne, vers sa capitale, Varsovie, et son stade de football flambant neuf. L'Euro de foot commence vendredi dans un pays en plein boom. De tous les membres de l'Union européenne, la Pologne est celui qui a le mieux résisté à la crise. Pas de récession, un taux de croissance qui fait rêver 4,3% l'année dernière. Jamais les Polonais n'ont été aussi riches et ils ont bien l'intention de ne pas s'arrêter là. Nous vous proposons de partir à la rencontre des acteurs, mais aussi des héros de ce véritable miracle. La Pologne est en chantier permanent. Les infrastructures s'améliorent, les PME sont dynamiques, les investisseurs étrangers nombreux. La bonne santé de l'économie polonaise fait plaisir à voir. Depuis la chute du communisme, les salaires des Polonais ont doublé. Il y a une époque où les Polonais quittaient leur pays pour travailler à l'étranger. Mais tout a changé. Depuis son entrée dans l'Union européenne, l'agriculture polonaise vit une révolution. L'argent de l'Europe a permis la modernisation des installations. Devenir fermier est devenu tendance. Les petits paysans disparaissent au profit des grandes exploitations. Mais si l'Ouest agricole est en plein boom économique, l'Est n'a pas encore décollé. Oubliez Londres, Paris, Berlin. La Pologne est la nouvelle destination clubbing branchée. Un véritable paradis pour fêtards avec ses clubs et ses ambiances électriques. Photos, peintures, mode, graphisme, théâtre, la Pologne est en train de se construire une nouvelle identité entre héritage culturel et modernité. Tu rencontres des gens de différents business, gérants de grandes boîtes, sportifs, maisons de disques, mannequins, etc. Voilà quoi, et t'as tout le temps un business à faire. Au pays de Jean-Paul II, l'église a pris une place démesurée. Elle a obtenu de l'État des privilèges pour son aide dans la chute du communisme. Catéchisme dans les écoles, présence de prêtres à chaque cérémonie publique, empire audiovisuel, biens immobiliers. Mais avec la nouvelle société, les anticléricaux sont de plus en plus nombreux. Nous sommes pour la séparation de l'Église et de l'État. La Pologne d'aujourd'hui veut se souvenir de ses racines. Et les Polonais n'oublient pas que pendant des siècles, leur pays a été une terre d'asile pour les Juifs d'Europe. Après les camps d'extermination pendant la Seconde Guerre mondiale, beaucoup de survivants ont émigré vers Israël et vers les États-Unis. Aujourd'hui, les Juifs de Pologne reviennent sur la terre de leurs ancêtres. Alors, l'avenir en Europe se trouve-t-il à l'Est ? La revanche du plombier polonais, c'est le 37e numéro d'Un œil sur la planète.